Ça y est, on est lundi. Pour moi, les lundis, c'est assez stressant. Et comme je sais que c'est stressant, j'essaye de faire en sorte de faciliter ma journée. Ce qui veut dire que, déjà, je fais une to-do vraiment pas trop longue, avec des choses pas forcément top prioritaires et pas les choses qui prennent le plus d'énergie. Et puis surtout, le matin, je prends mon temps. Ce matin, j'ai pas mis de réveil. Enfin si, je crois que j'en ai mis un jour à 9h, mais je me suis levée avant. Puis ensuite, j'ai juste pris du temps pour lire, calmement. Après, j'ai fait du rangement, parce que j'avais pas fait ça hier, et du coup, bah, il fallait quand même que je le fasse. Je me suis donné un mauvais cadeau pour mon lundi, de la part de la Maë du dimanche. Mais du coup, je me dis que j'ai quand même commencé la journée sur quelque chose de productif et d'agréable à avoir accompli. J'ai même fait la vaisselle, et c'est dire. J'aime pas du tout faire la vaisselle, c'est pas moi qui m'en occupe d'habitude. Puis ensuite, tranquillement, j'ai pris ma douche, j'ai bricolé quelque chose sur mon visage. En ce moment, j'avais vraiment envie de savoir comment me maquiller, essayer de m'habituer à me voir maquillée aussi, parce que je me maquille tellement jamais que j'ai l'impression que genre, ça me va pas, ou je sais pas, je me reconnais pas. J'arrive pas à savoir si c'est juste que je sais pas me maquiller ou c'est juste que je suis pas habituée. Mais genre, quand je le fais, je sais pas du tout ce que je fais. Genre, je fais n'importe quoi. J'essaye des trucs. Aucune certitude dans ce que je fais. Je sais pas si ça va tenir la journée ou si dans une heure ce sera tout bizarre. Mais bon, j'essaye. Ouais, j'ai pris le risque d'essayer un jour où je vlog, même si voilà, ça se trouve ce sera bizarre. Ça se trouve ce sera bien. Je ne sais pas. Bref, aujourd'hui, on va avoir une journée calme et tranquille pour se mettre dans la semaine. Coucou, bienvenue dans cette vidéo et bonjour. Aujourd'hui, programme détente. J'ai pas prévu un max de choses, mais des trucs sympas quand même, je crois. J'ai fait une liste hier soir avant de m'endormir, ça c'est une bonne manière de, ouais, de, je sais pas, de vider mon cerveau avant de dormir, même si j'ai quand même pris 1000 ans à m'endormir, mais bref. Et j'ai du coup tout noté, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, et ça m'a bien aidé quand même à pas trop gamberger en me disant « Ah, ça se trouve, je vais oublier ça, vite, vite, vite. » Du coup, je savais que j'avais tout noté, donc de toute façon, ça servait à rien de tout ressasser. Ouais, on va faire des choses simples, parce que le lundi, si je me réveille et que je sais que j'ai plein de trucs à faire et c'est super stressant, ma semaine commence très mal. Du coup, je me dis que c'est quand même mieux de prendre mon temps, faire des choses qui sont plaisantes, ouais, des choses plutôt pour moi aussi. Et comme ça, je me mets doucement dans le travail et demain, je serai plus dispo à commencer parce que on sera pas lundi. Du coup, ça sera pas la pression du lundi et ça devrait mieux se passer. Aussi, quelque chose que j'aime bien faire pour pas que ce soit trop stressant, c'est de faire en sorte de pas avoir de visio aujourd'hui, genre d'appel ou quoi, pour des clients. Je crois que j'avais envoyé un mail vendredi. Ouais, j'avais envoyé un mail vendredi pour proposer une visio cet après-midi-là. Puis après, genre 15h était passée, j'avais pas de réponse et ça me stressait. Donc j'ai dit non, on le fait pas. Donc ça, c'est ok de le faire aussi, d'annuler, de dire non, finalement, je suis pas dispo. Et du coup, je me suis empêchée de le proposer pour lundi. Ce qui fait que maintenant, j'ai pas d'appel aujourd'hui. Je peux juste me concentrer sur ma journée. J'ai très hâte de faire ce vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis trop contente. Je pense que ça va être une très belle journée. J'ai prévu plein de choses. Ouais, je suis contente de faire à nouveau une vidéo où je peux juste parler, montrer mon quotidien, vivre ma vie et pas trop me concentrer sur est-ce que ça c'est bien intéressant, est-ce que la structure est bonne, oulala, je dois faire ces plans et ces plans-là. Là, c'est juste, je fais des plans jolis, je raconte des choses dont j'ai envie de parler. Et puis, on va faire notre journée. J'ai déjà hâte de ce que je dois faire cet après-midi. Donc c'est bon signe. Mais bon, là, je vais essayer de lire. Il y a quelques temps, je me sentais vraiment mal. Je crois que c'était vendredi soir. J'ai eu une espèce de... on va appeler ça un mini burn-out, mais genre, j'ai pas envie de te dire que genre le burn-out, c'est juste ça. Mais genre, je me sentais tellement... comment on dit? Je sais pas, j'ai écrit ça dans mon journal, je vais vous dire, comme ça, je saurai. Je me rappelle, du coup. J'étais épuisée de ma semaine. Le vendredi, j'ai passé la journée à faire du montage, à faire ma miniature, et c'était compliqué. C'était pour la vidéo des revenus, des canaux de revenus que j'ai envie de développer cette année. Et du coup, j'étais épuisée en fin de journée et j'avais l'impression de ne pas avoir accompli de choses cette semaine-là. D'avoir cette espèce de différence, enfin de dissonance entre ce que j'ai envie de faire et mon cerveau qui est genre là. J'imagine que c'est mon cerveau droit qui est en mode j'avais plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs créatifs et genre je suis trop enthousiaste. Et l'autre côté, bon je pense pas que c'est le cerveau gauche, mais bref. L'autre côté de moi qui est genre oh mais j'ai jamais assez d'énergie pour faire tout ça, j'ai la flemme. De toute façon si je le fais, j'y arriverai pas bien. Et du coup vendredi c'est vraiment genre collision des deux et j'étais vraiment genre down
et je savais vraiment pas quoi faire. Rien ne me donnait envie, même juste regarder YouTube, c'était trop pour moi. Et du coup, je me suis tellement éloignée pour revenir à ce sujet de la lecture. Et mon copain m'a dit, prends un livre et lis-le juste et sans penser à rien d'autre. Et du coup, j'ai pris un livre d'artiste que j'avais pris à la médiathèque il y a un moment. Et j'ai juste lu ça pendant, je sais pas, même juste 15 minutes. Sans me dire, ah oui, attends, faut que je prenne des notes. Parce que là, je suis en train de lire un livre d'artiste, du coup, faut que ça m'inspire à fond. J'ai juste lu, regardé les images, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes. Et j'étais genre, oh. Juste regarder les images, lire les petites descriptions. Et ça m'a bien aidé. Du coup, là, j'ai envie de refaire ça. De continuer ce livre-là. Et de, ouais, juste le lire, quoi. Sans me dire que ça doit être rentable, quoi. Parce que... c'est un peu le piège. Parce que je les ai pris en me disant, c'est super de faire ça quand t'es artiste. Il faut s'inspirer d'autres artistes d'avant, etc. Mais du coup, ça fait que je le lis pas juste pour le lire, quoi. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, c'est abusé. Donc, je vais lire ça tout de suite. Et puis après... on va passer à la création. J'espère que vous êtes contents vous aussi de voir ce studio vlog. Moi, je suis en high énergie là. Ça me motive trop de tourner, du coup de faire en sorte de faire des trucs vraiment sympas de ma journée. Challenge sur Instagram où je crois qu'il y a 4 illustrations à faire, donc une par semaine, sur le thème de fleurs et de fées. Les fées, c'est pas trop mon thème de prédilection, mais je me dis que c'est cool d'essayer de faire ça parce que je me dis que n'importe quel personnage pourrait être une fée, et puis ça donne l'occasion de dessiner des fleurs que j'aurais pas l'initiative de dessiner moi. Voilà, j'ai décalqué le premier croquis que je vais peindre cet après-midi, mais là il est presque midi, donc je vais faire à manger, j'ai hyper faim. Puis après, je vais faire une petite pause. Thank you.
Profiter de la petite pause. Je suis quand même super fatiguée déjà, mais bon, ça c'est un secret. Et non, je suis quand même contente de tourner ce vlog. Je passe une bonne journée. Mon lundi est une réussite, même si voilà, de filmer c'est très épuisant. Mais aujourd'hui je suis toute seule, mon copain est aussi. Cette fois-ci je l'ai laissé y aller tout seul. Je pense qu'il s'amuse énormément et qu'il profite bien de la neige et du paysage. Ça me donne un peu envie quand même. Ouais, la neige, la voir la montagne et tout ça, mais le ski, j'ai fait l'année dernière. Pas pour moi, disons. Mais bon, moi, il est 15h, je crois. Il est 14h45. Et je vais commencer à peindre. Enfin, je vais commencer, je vais devoir tout faire quand même en une fois. Ça fait longtemps que j'ai pas peint, je pense, depuis genre. Dans fin novembre. Et du coup, bah. Dans fin novembre. Je sais même pas. Franchement, ça fait longtemps en tout cas. Et du coup, j'ai un peu peur. Genre, je redoute un peu. Genre, mon croquis, franchement, il est mieux que ce que j'imaginais. Donc. Ça devrait bien donner. Et puis en même temps, je vais écouter un petit podcast. Thank you.
fait 1h30 à peu près que je peins. Et ça y est, j'ai terminé. Pendant que je peignais et que je finissais, je me disais déjà que oh, je suis pas sûre que j'aime, etc. Après 5 minutes, ça va. Franchement, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai attendu ce moment toute la journée. C'est enfin l'heure du goûter. Il est 16h15. Je vais vous montrer. On va faire des cinnamon rolls. Immense! Ça va être génial. J'ai préparé la pâte tout à l'heure après manger. Incroyable! Elle a doublé de volume, elle a au moins triplé là. C'est génial. Du coup, je dois rouler ça maintenant. J'ai quand même passé 20 minutes à pétrir cette brioche. C'est genre de la pâte à brioche quoi, les cinnamon rolls. Mais ça vaut le coup, franchement ça allait. J'ai regardé une vidéo en même temps et c'est passé vite, mais j'ai redouté un peu parce qu'on n'a pas de robot nous, donc voilà. Je mettrai la recette en description. J'ai juste changé le lait et le beurre, j'ai mis de la margarine et du lait de soja. Sinon, je fais tout pareil. J'ai hâte de manger ça. J'espère que ça va bien donner. J'ai pas les bons plats. Genre, non, il faut un grand plat. Un rectangle. J'ai pas ça. Donc peut-être que j'utiliserai deux plats à la place. Ou juste genre un plat à tarte, je sais pas trop. Mais là, je dois étaler. Oh, mais c'est incroyable. J'ai jamais fait de brioche, quoi. Trop. C'est en plus une recette d'automne, alors. Moi, ça me plaît. À la base, je voulais en faire au citron. J'avais trouvé une recette genre citron pavot. Mais genre... c'est beaucoup mieux avec cannelle. Donc là le principe c'est genre de faire plein de petits roulés, si vous connaissez pas, faire plein de petits roulés comme dans un plat qui gonfle à nouveau et dedans il y a genre un mélange avec de la cannelle et du sucre et après un petit glaçage et ça devient excellent. Bon allez, je me concentre. Pas peser de beurre. Faire au pif. Heureusement, mon copain rentre ce soir, donc ce sera pas tout pour moi. Promis. C'est une œuvre d'art en fait. Un glaçage au beurre. Je sais pas du tout. Vu que j'ai pas pesé, je sais pas si j'en ai mis trop ou pas. Ça me paraît quand même pas mal. Excellent, ami. Maintenant la meilleure partie. C'est l'heure de rouler. J'espère que ça va la taille. Il n'y avait pas d'image pour savoir à quelle... proportion devait avoir le rectangle. Ce qui est triste, c'est que je vais devoir encore attendre parce que ça doit reposer et ensuite ça doit cuire. Du coup, je peux pas prendre mon outil tout de suite. Il est 16h45 déjà. Oui, il est mal foutu. On va la ranger un peu pour Ami. Ok. Du coup, je pense que je vais prendre ce plat. Pas très propre. Ce plat, et peut-être lui aussi si jamais il n'y a pas assez de place. Bon, bah les deux, on va mettre du beurre. Il a l'air comme ça, mais je trouve que c'est juste la détache. Let's go. J'aime pas du tout qu'elle ait pu en surfer. Il y a en moitié de bois. Ce couteau est parfait. Incroyable. Ils disent en faire 12, mais je sais pas. Allez, on va dire.
Combien d'espace laissé? C'est censé gonfler un peu après quand même. Ça va être bizarre. Ça aurait été bien d'avoir le bon plat quand même. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Tu penses pas que ça va gonfler autant? Ah, I don't know. Bon, on va avoir confiance en eux et on va dire qu'ils vont beaucoup gonfler. On va le faire comme ça. Normalement, genre, ça prend toute la place, ça prendra jamais toute la place. Peut-être qu'il faut quand même que je les serre un peu. Au moins, ils prendront toute cette place. Normalement, je dois attendre du coup que ça pose. Et après, je vais les faire cuire et après, je reviendrai quand ce sera fait. De la journée, je suis un peu fatiguée de filmer, c'est vrai, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Puis j'ai un peu mal à la tête, je pense, d'être penchée sur mon bureau pendant tout ce temps-là à peindre. J'attends que mes roulés à la cannelle gonflent. Mais moi qui disais que le lundi j'avais pas d'appel, bon là c'était pas prévu, mais bref. Qu'est-ce que je disais? Aucune idée. Ouais, bon, je disais peut-être que j'avais mal à la tête. Et voilà, du coup là je vais manger mon goûter, je vais me poser pour la soirée. J'ai encore du coup plein de choses à faire parce qu'aujourd'hui j'ai pris les choses très calmement. Et puis comme je filmais aussi, c'est aussi un peu limité. Même si enfin, en vrai je dis ça mais j'ai quand même peint, j'ai fait la pâtisserie. C'est cool, j'ai encore un post Insta à poster. Et puis ensuite j'ai quand même pas mal de choses à faire parce que j'ai un vlog à monter. J'ai du coup une mission client là par rapport à ça qui commence. Une autre aussi, d'ailleurs je devais être en trou de mission client et faire un vlog où je parlais de commencer de travailler juste pour soi et au final non. Mais bref, là demain et après-demain, j'enchaîne deux manifs. Du coup ça me stresse un peu de me dire que voilà mes journées, je vais avoir beaucoup d'énergie qui va être mise là-dedans et est-ce que je trouverai plus d'énergie pour travailler? Je ferai au mieux. Sachant que c'est en plein après-midi, du coup bah en rentrant je vais sûrement pas être dispo pour travailler quoi. Mais bon, c'est un peu la seule chose que j'arrive à mettre en place de militance en ce moment, donc j'essaye de quand même le faire quoi. Et voilà, du coup je crois que le 7 c'est contre la réforme des retraites et le 8 c'est une manif féministe. Et du coup je suis trop contente qu'à Toulouse ce soit très simple d'aller en manif, c'est très pratique. On y va en vélo, on marche, on rentre et c'est très simple. Et voilà, bon bah je vous laisse avec quelques images de mon goûter, puis merci et à bientôt.